Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai mis les lunettes de soleil. C'est comme ça que, en gros, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec les lorgnons. Hein, bon, au tout début, on voyait pas ma tête du tout, mais une grosse partie de mes vidéos ont été faites avec ces fameuses lunettes de soleil bleues. Donc, pour cette vidéo de 4006 abonnés, voilà, j'ai décidé de remettre les lunettes. Voilà. Donc, je suis très fier au fait. Je suis super fier, super content. En 2 ans, je suis monté à 4000 abonnés. Et j'ai rien à dire à part être content, heureux, de partager toutes ces vidéos avec vous. Voilà les amis. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que soit vous apprenez des trucs, soit je vous fais délirer avec mon langage un peu cru mais direct. Enfin, c'est un style, hein, et chaque chaîne a son style. Si vous êtes abonné à la mienne, c'est que vous aimez mon style. Tout ça pour vous dire que ma chaîne, 401 vidéos de publiées. J'en ai fait beaucoup plus, hein, c'est avec le temps, j'en ai viré quelques-unes. Mais là, je viens de regarder tout à l'heure, suite à la dernière vidéo que j'ai mise sur mon Joker Campero. J'étais à 401 vidéos publiées sur YouTube. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en technique sur ma chaîne? 1 024 840 vues. C'est énorme. 1 024 840. Bon, je vous dis tout ça, c'est que je ne recherche pas ni les chiffres sur les abonnés. Hein, vous avez bien constaté, je ne fais pas de course aux abonnés. Les nombres de vues non plus. Bon, faut rester honnête, hein, quand je dépasse un certain nombre de vues, je suis content. Voilà, je me dis, putain, ma vidéo, les gens ont aimé. Alors, j'ai constaté avec le temps que le nombre de vues dépend aussi des thèmes, hein, que je fais. Il y en a qui aiment, j'ai des fois beaucoup de vues sur le bricolage, beaucoup, beaucoup plus de vues sur les unboxings, sur les achats que je fais. Sur les achats, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui est, je veux dire, rapport, si possible, rapport qualité-prix le plus correct, hein, tout le monde n'est pas riche. Dans l'esprit de la rupture de la normalité, hein, c'est matériel, perceuse et tout le bordel. Ça marche pas mal sur le unboxing. Après, il y a eu pas mal de vidéos sur la rando, toujours solo ou avec Daniel. Voilà, ça vous aimez pas mal. Et voilà, donc j'essaye de faire des vidéos qui me permettent de partager avec vous ce que j'ai envie, ce que je ressens, ce que je teste et tout ça. Voilà. Les vidéos sont faites comme ça, avec le cœur, sans montage, sans machin. C'est pas mon style en plus, vous avez bien vu, hein. Moi, ça me casse les couilles de mettre des musiques, des vidéos, machin. Je pense qu'il y en a qui sont largement plus professionnels que moi. Dans les montages, hein, j'ai qu'à regarder dans les personnes que je connais. Patrice de la chaîne Passion Campagne passe beaucoup de temps pour s'appliquer dans ses vidéos, dans ses montages et tout. Bah, il fait des trucs nickel. Ou un youtubeur plus grand comme Chartreuse Nature, qui lui fait des macros de photos, des moustiques et tout le bordel avec des super vidéos. Voilà, bon, voilà. Moi, je tiens à dire que c'est pas dans mon style, mais de toute façon, vous l'avez bien dû le constater. Après, voilà, des vidéos toujours sincères, jamais connaître, jamais loyal. J'ai un franc-parler, que ce soit devant vous en caméra, que ce soit dans mon quotidien, dans mon travail. Je travaille dans un endroit qui est très social, aussi très émotionnel. Hein. Depuis un an et demi que j'y travaille, j'ai pris pas mal, je vous jure, d'émotions. Voilà, c'est compliqué par moments. Ça fait même verser, ça m'a même fait verser quelques larmes. Mais voilà, je suis comme tout le monde, je suis humain. Voilà. Cet esprit de cette chaîne, vous avez bien vu que c'était la rupture de la normalité. La normalité aussi que je me permets de rappeler à beaucoup de personnes que j'ai vécu quand j'étais militaire en mission. Hein, en France, on est bien, tout le monde est beau, tout va bien, on a les aides sociales. Alors, je critique pas les aides sociales, ma femme, ça fait 4 mois qu'elle n'en touche pas, elle vient à peine de les avoir. Alors, bon, pas de remarque là-dessus. Les vacances et tout le train-train, voilà, le français est bien, voilà, tout va bien.
Après, chacun sa mentalité. Moi, la rupture de la normalité, je l'ai connue en mission. Et en France, on est bien. Voilà. Préparez-vous, parce que personne n'est à l'abri au quotidien d'une rupture de la normalité, que ce soit accident, famille, tout ce qu'on veut, électricité, orage, incendie, inondation et tout le train-train. Tout le monde peut y toucher un jour et il faut avoir des bases, hein, un petit sac, une petite lampe, des machins, des bases. De toute façon, le sac d'évacuation, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas Wigarden, c'est pas Chartreuse Nature ou qui que ce soit, c'est l'État, c'est marqué sur le site du ministère de l'Intérieur. L'État français préconise un sac d'alerte 24 heures avec un listing de matériel. Donc réfléchissez bien, allez voir, et si je retrouverai le lien, je vous le mettrai dans la description. Voilà, donc je vais continuer à faire des vidéos et je vais pas la faire trop longue. Hein. Je vous remercie tous, franchement, de vous être abonnés à ma chaîne, de me marquer des commentaires, de liker et disliker. Pour moi, on est dans un pays de droit, de liberté encore pour l'instant. Hein. Déjà, on est vachement bridé verbalement sur la machin, mais on peut encore circuler en ville sans personne. Armés dans les rues, hein. Donc on est encore un peu à liberté et chacun a le droit de liker, disliker, marquer des commentaires tant que ça rentre pas dans l'insulte. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi et moi je peux pas être d'accord avec tout le monde. Donc voilà. Fin de la vidéo. Comme je le dis à chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentifs et vigilants. Ciao les amis et à plus pour des prochaines vidéos.